Que je suis tout petit, j'ai été bercé dans la musique via ma famille, notamment avec mon grand frère qui est actuellement ouvert un magasin de musique, qui est compositeur de musique de film. Moi, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé par le solfège, le piano au conservatoire. Et ensuite, j'ai continué aussi avec un peu de guitare, un peu de basse, qui nous amène aux années lycée, où là, du coup, j'avais un groupe de punk rock. Et suite à ça, après le lycée, je suis parti à la fac. Et là, pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai pas fait du tout de musique. Et durant ces années de fac, j'ai découvert la musique électronique en tant que spectateur, notamment avec un stage de fin d'études, de fin de licence pendant 6 mois à Berlin. Là, ça a été la grosse découverte de la scène techno berlinoise notamment. Et au retour de Berlin, à la fin de mes études, j'ai aussi découvert ce qu'on appelle la free party. C'est mon petit frère qui m'a ramené la première fois dans une free en France. Et je pense que j'ai retrouvé un peu le côté de liberté que j'avais découvert dans les clubs à Berlin, que je ne pouvais pas du tout retrouver dans les discothèques françaises. Notamment à l'époque, j'étais sur Annecy. On ne peut pas dire que la culture club underground soit très développée. Beaucoup de copains me disaient, mais tu voudrais pas essayer d'utiliser des machines, faire de la musique et tout, comme en teuf là? Moi, je leur disais, mais les gars, c'est vraiment trop énervé. Enfin, j'arrive pas vraiment à concevoir et comment ils composent la musique. Et jusqu'au jour où j'ai découvert le Harkonnen, qui nous a fait un live acidcore. C'était la première fois que j'entendais ce style d'acidcore. Je suis complètement tombé amoureux de ce style-là. C'était la grosse période de la tripcore et de la hardtech. Là, d'avoir vécu en plus ce live full analogique avec un gros rack, plein de machines, il y avait vraiment tout, une symbiose entre le style musical, la façon dont la musique était faite, avec quels outils ils étaient faits, et ça a été pour moi une vraie révélation. À ce live-là, j'ai commencé à me dire que peut-être il y avait un style de musique de teuf qui pouvait matcher avec ce que j'aimerais en tout cas produire. C'est comme ça que j'ai acheté ma première machine électronique en mars 2017. J'étais pris par le virus de la musique électronique. J'ai commencé à faire mes premières dates en free party et très vite, les dates légales se sont enchaînées. Suite à ça est arrivé le Covid, une grosse période de remise en question. Que ce soit sur la viabilité du projet, de vivre de la musique, parce que c'était vraiment une époque où je commençais vraiment à pouvoir envisager de vivre de la musique via le côté booking légal. Et je pense que c'est à peu près à cette période-là qu'est émergée l'idée d'adoucir un peu ma musique et de tendre vers un côté un peu plus acide techno, qui serait vraiment pour moi le juste milieu entre ma découverte de la techno berlinoise et le monde de la teuf. Et c'est pour ça que depuis la reprise des dates post-Covid, on peut noter dans l'ensemble de mes sorties et de mon live un tournant stylistique qui représente vraiment ce que j'ai au fond de moi. J'ai souvent été catégorisé et connu via mon style acidcore et souvent attendu pour ça. Lors des premiers événements, lorsque j'ai commencé à jouer à cette techno, j'étais vraiment pas serein, on peut le dire. Quand t'as présenté cette nouvelle facette de moi au public, et au final, dès les premiers événements, j'ai eu de très bons retours, et ça me motive à persévérer dans le style.
Moi, j'ai toujours été intéressé par l'art en général, soit de l'art graphique, de l'art vidéo, de l'art audio. J'ai une petite préférence forcément pour l'art urbain, l'art numérique. J'ai eu ma période de graffiti où je vivais, mangeais, dormais graffiti. Je suis aussi beaucoup passionné par l'espace. Tout le côté spatial et technologique, c'est une chose qui m'inspire dans ma musique. C'est pour ça que dans mon tournant d'acide techno, j'essaie de lier un côté très organique et mélodique avec des sons un peu plus urbains, des fois avec des voix de robots, des bruitages de science-fiction, ce genre de choses. C'est de l'inconscient et c'est des choses en fait qui me font vibrer, je pense, naturellement pour moi et que j'essaie de transcender peut-être dans la musique. Mais je pense que tout ce background un peu artistique me sert d'inspiration au jour le jour lorsque je compose. Même ne serait-ce que dans mes covers de tracks, c'est moi qui les réalise complètement. J'ai pas mal de photomontage. Alors des fois ça peut être spatial, des fois ça peut être dans le métro, ça peut être dans la nature, dans le désert. Mais à chaque fois il y a souvent ouais, cette personne. C'est l'expérimentation d'une personne, du monde qui l'entoure. Je vois un peu la musique comme un voyage initiatique dans laquelle moi, en extériorisant tout ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, ça me permet d'avancer, de grandir, d'évoluer et d'expérimenter en fait le monde dans lequel on vit. C'est ce que j'essaie de représenter un peu à chaque fois dans les covers. Il faut savoir que je compose sur l'ordinateur qui va servir de séquenceur pour tous mes synthétiseurs et autres machines électroniques qui servent à générer différents types de bruits. Et donc tout ça est dans le studio. Une fois que la composition est effectuée, là je vais enregistrer les différentes parties des différentes machines sur l'ordinateur pour pouvoir, lors des soirées, me déplacer uniquement avec l'ordinateur et deux, trois machines pour pouvoir représenter ce que j'ai composé à la maison. Lorsque j'ai commencé le live, forcément, je n'avais pas cette méthodologie. À l'époque, je me déplaçais avec toutes mes machines à chaque fois, donc le gros rack. Et avec le Covid et la reprise des dates, la question s'est posée d'être plus facilement transportable. L'option ordinateur et enregistrer les machines dans l'ordinateur s'est naturellement imposée. Chaque live est unique. J'aime pas rejouer exactement deux fois la même chose. Déjà, ce ne serait pas possible. Et j'aime bien personnaliser notamment l'intro live pour vraiment chaque live soit spécifique à la soirée. J'aime beaucoup lorsque l'événement a un thème, qu'il y a quelque chose à fêter, une actualité assez forte. Je pense que la track que j'ai composée pour un événement en particulier qui m'a le plus marqué lorsque je l'ai jouée notamment, c'est celle pour Steve, le jeune mort lors de la fête de la musique à Nantes, et que j'ai joué et composé pour le Technival organisé en réaction. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits commis à la date de sa réaction, je cite, il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de Monsieur Steve Maya Canisson. Pour toutes mes tracks, j'utilise des paroles, des lyrics, ce soit alors au début en français, maintenant je me contente plus à l'anglais. Le fait que ce soit de l'anglais, pour beaucoup, ça passe plus comme quelque chose de rythmique et qui va habiller la track que vraiment servir un fond. Mais du coup, pour la personne qui va prêter attention, qui va essayer de prendre un peu plus les paroles, pour elle, elle va peut-être avoir accès au sens de la track plus rapidement et plus facilement. Et à chaque fois, en fait, elles servent un propos, elles ne sont pas là juste pour de l'habillage. Pour les réaliser, j'ai différentes techniques. Souvent, je vais regarder des conférences TEDx. Donc ça me permet de trouver des sujets bien particuliers qui m'intéressent et du coup, avoir plus de chances de trouver une parole qui pourra servir le propos ou en tout cas l'idée que je veux développer dans la track. Et là, depuis quelques temps, je me mets à utiliser, chers amis, les IA, notamment parce que même dans les conférences, il peut toujours y avoir des problèmes d'enregistrement, des problèmes de diction, ce genre de choses. Alors généralement, quand je trouve quelque chose qui me plaît, un texte qui me plaît, je vais le reformuler légèrement et le faire dire par une IA maintenant,
en espérant gagner un peu plus en clarté sur la diction de, et l'enregistrement de la voix. J'ai commencé à travailler avec une agence assez vite, fin 2018, début 2019, avec ma première agence de l'époque qui était Okuma. J'ai découvert les joies d'avoir un agent qui s'occupe de dealer les dates, de s'occuper des transports, de l'agenda, ce genre de choses, et qui décharge beaucoup l'artiste, notamment en charge de travail sur l'organisation. Malheureusement, avec le Covid, toutes structures, notamment dans la musique, ont dû fermer avec l'arrêt des dates et des concerts, ce qui a été le cas de l'agence. Donc, à la reprise des dates, je suis rentré dans une nouvelle agence, qui est Cult Collective, une agence hollandaise avec des artistes de toute l'Europe, avec une direction artistique très basée à Mentalcore, mais avec mon tournant pris dans la scène techno, j'ai trouvé qu'il fallait pour moi une agence un peu plus ouverte sur le milieu techno. Et depuis le mois de décembre 2023, je suis donc rentré chez Noahwer Agency, qui est une agence française et qui s'occupe de faire donc ce qui s'appelle mon statut d'intermittent du spectacle, et qui est une agence tournée beaucoup plus sur le milieu techno et qui, j'espère, m'ouvrira les portes vers de nouvelles dates. Le temps avançant, je joue un peu moins en free parce que maintenant la musique c'est devenu mon métier et que il faut que je vive. Concrètement, ça veut dire que je peux me libérer tout le temps la semaine que je veux pour composer et être prêt pour effectuer les lives le week-end. Je peux souvent entendre dire via de copains ou quoi, oh, t'as de la chance, tu travailles 2 jours par semaine, après le reste de la semaine t'es tranquille. Oui, je suis tranquille au niveau du réveil, je me mets pas forcément à réveil le matin, mais je suis pas tranquille au niveau de l'esprit. Plus le temps passe et plus je me rends compte que oui, en fait, je passe presque 40 à 50 heures par semaine à faire de la musique chez moi, et que c'est du travail, et que c'est pas parce que je vais pas à un horaire de bureau ou que j'ai pas un patron au-dessus de moi qui me dit voilà, t'as bien travaillé aujourd'hui, que c'est pas du travail. Et c'est vrai que je m'attendais pas à être dans cette situation quand j'étais plus jeune, et qu'au final, je pense que c'est vraiment la situation qu'il me faut, parce que j'ai un besoin de liberté sur mon organisation, sur même ma méthodologie, ma façon de travailler. Je vois par exemple, dès que j'arrive pas à faire quelque chose, bah il y a le réflexe d'aller forcément voir sur internet, d'aller faire un tuto. Donc là, ça te prend encore du temps, ça te prend qui n'est pas considéré comme du temps de travail, de l'apprentissage, et pourtant, bah, c'est de l'apprentissage continu. Comme on est quand même dans un milieu bon, qui se développe, mais encore un milieu assez petit, c'est vrai qu'il n'y a pas toutes les informations qui sont trouvables sur Internet. Par chance, on a quand même, entre nous artistes, un bon relationnel, et on s'aide pas mal, on se donne pas mal de conseils, de petits tips, ce genre de choses. Je tiens vraiment à continuer à aller en free au moins 3, 4, 5 fois par an. Parce que déjà, je viens d'ici et que sans la free, j'aurais jamais eu accès au légal. J'aurais même jamais peut-être essayé de faire de la musique électronique. Et surtout aussi, il y a un côté assez exutoire et de liberté qu'on n'a pas du tout dans les clubs. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux visions différentes. Mais pour autant, le club, il y a aussi ses avantages, notamment celui d'offrir l'accès à des festivals par la suite. Il faut d'abord faire ses armes en club pour pouvoir espérer être un peu vu par des organisateurs et accroché à des festivals. Après, je pense que le club et la free party sont des milieux qui peuvent se compléter, de par déjà le public qui n'est pas tout à fait le même, même si on arrive à avoir un mélange un peu du public de la free qui va venir en club via des line-up qui l'intéressent, notamment des line-up de free. Et inversement, via l'accès à des artistes de free à certains légals. Certaines dates légales, je pense que du public peut du coup s'intéresser et s'ouvrir à la free party. Et j'ai besoin en fait des deux pour trouver mon équilibre, soit le côté liberté de la free et le côté légal du club. Le zoo est une institution alternative de la fête, de la musique électronique et de ses sous-cultures. Institution car implantée, perçue comme une référence et répondant à un besoin qui traverse les générations. Alternative car souhaitant penser et faire autrement, sans hiérarchie, en perpétuel renouvellement et sans profitabilité. Ce soir, c'est la première Festive Autonomous Zone, dite FAZ. De mai à décembre 2024, les FAZ célèbrent les 25 ans du zoo, qui depuis un quart de siècle fabriquent chaque semaine ces zones autonomes festives. Elles sont le fruit des compétences, valeurs, rêves, envies, oppressions, souffrances, culture et personnalité des membres de l'association. Les FAS sont donc un espace d'expérimentation pour les fêtes autogérées,
un laboratoire d'idées et de méthodes pour imaginer les futurs des espaces culturels alternatifs, inclusifs, radicaux et anticonsuméristes. Du coup, ce soir, de 23h à 6h, on accueille 3 centres système, 15 artistes. Il y a aussi beaucoup de monde qui travaille ce soir, plus que d'habitude. Je crois qu'on est une trentaine de staff qui a l'accueil. Il y a une team care, il y a les personnes dans les bars. Il y a aussi 2 autres associations, en plus de la nôtre, qui sont mobilisées. Il y a l'atelier, qui est l'association antifasciste de l'usine. Leur staff est mobilisé ce soir pour nous permettre d'ouvrir. Et aussi le Spoutnik, qui va au-delà de simplement nous prêter la salle. Il y a du staff qui est mobilisé. Ils ont évidemment repartagé ce qu'ils font. Donc, il y a une vraie cohésion au sein de l'usine. On attend 700 personnes. Je pense qu'on est bientôt sold out. Donc, c'est super chouette. Ça montre qu'il y a vraiment de l'engouement. Et justement, ça nous donne de la force pour continuer de faire ce qu'on fait. C'est que ce n'est pas comme si on se battait pour une cause perdue. C'est qu'on sent que derrière, les gens, ils suivent et les gens, ils viennent. Et pour une soirée comme celle-là, ce soir, c'est hyper important que les gens soient attentifs à pourquoi on fait ces choses-là. On ne fait pas juste la fête. Derrière, il y a une volonté politique au sens d'organisation de la société. Comment est-ce qu'on s'organise entre nous, avec le respect, avec être plus inclusif, être accessible, etc. On aimerait utiliser cette célébration, pas seulement comme un moyen d'encore faire des fêtes nocturnes et des événements culturels, mais mettre en avant en fait, les engagements, les valeurs, les luttes. Ces luttes-là, il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, rester accessible. Il y a la liberté de pouvoir ouvrir des espaces, la liberté de pouvoir faire des événements, que ce soit en extérieur, en intérieur. Et on milite aussi pour la fête libre, ou en tout cas l'existence et la légitimité de la culture son de système. On s'engage et on réalise des actions pour que ces son de système-là puissent vivre et puissent faire des choses. Alors comment ça fonctionne ? Nous, on est un espace légal. Donc, ce soir, on accueille le son de système MSKT, avec qui on a une résidence depuis 5 ans. Pour un son de système comme MSKT, faire une légale de temps en temps ou avoir une résidence légale dans un lieu, en fait, ça leur permet de s'assurer un financement. C'est hyper important pour un son de système de pouvoir dire nous, on fait une soirée régulièrement dans cette institution qu'est le zoo, et ça leur donne de la crédibilité. Dès qu'ils font des légales, dès qu'ils ont envie de peut-être avoir des interlocuteurs, par exemple les pouvoirs publics. Et en fait, on utilise cet événement qui est légal pour en fait mettre en valeur la culture son de système. Au-delà de la com, au-delà d'offrir un espace d'expression à 3 son de système, on a aussi mis en place une cagnotte pour 4 son de système qui se sont fait saisir dernièrement dans le Jura français. Donc, on a perdu à peu près 15 000 euros de matériel. L'aide et le soutien, il viendra surtout des lieux culturels alternatifs. C'est pour ça qu'on a une résidence avec différents son de système. C'est hyper important pour nous d'être un lieu qui les accueille, et je pense que c'est la responsabilité d'un lieu culturel alternatif d'accueillir des sons de système au travers de circuits légaux. On doit se rendre disponible en tant que lieu pour permettre le financement et pour permettre l'accueil de ces sons de système-là. Et je pense qu'il en va de la responsabilité pas seulement du zoo, mais de n'importe quel lieu culturel alternatif qui, en tout cas, a une identité anticonsumériste et a une identité militante. Le zoo, emblème européen de la fête autogérée, célèbre en 2024 son 40e siècle d'existence. Pourtant, derrière les festivités, se cache un message sur l'état actuel de la culture alternative. La fermeture récente du Menschmeyer à Berlin, au lieu de ses sous-cultures alternatives, est symptomatique des enjeux auxquels sont confrontés les lieux culturels indépendants ces dernières années. Dans le cadre de notre anniversaire, nous appelons à la solidarité pour le maintien et la résilience de nos espaces festifs. Nous souhaitons continuer de défendre notre vision de la culture qui embrasse la diversité, l'autonomie et la radicalité. Et valoriser au mieux les lieux, collectifs, artistes et énergies qui vont dans ce sens. Venez tôt, partez tard. Venez tôt, partez tard. Avec une centaine d'événements par an et plusieurs dizaines de milliers de personnes qui le visitent chaque année, le zoo est une référence pour sa musique, sa scénographie, mais aussi ses gouvernances et ses luttes.
Au cours des 25 dernières années, le zoo a été le théâtre de lutte pour favoriser entre autres l'accessibilité à la culture, l'inclusion, la parité et la liberté d'organiser des événements. Célèbre en 2024 son quart de siècle d'existence. J'espère être toujours en scène et toujours produire de la musique. Après, est-ce que je resterai cantonné à la techno? Je ne sais pas. Plus ça va, plus je me dis que j'aimerais bien réussir à développer un gros live du genre 3 à 4 heures pour représenter les deux univers, partir de la techno et monter crescendo jusqu'à la core. Peut-être un futur envisageable.